Testify, come up in the spot looking extra fly. For the day I die, I'ma test the sky. Back when they thought pink polos would hurt the rock. Before Cam got the shit pop, the doors closed. I felt like bad boy street team. I couldn't work the blocks. From North Harbour, unbelievable, in his 83rd test as the first try scorer. Bienvenue dans le premier épisode de Rugby Science. Dans cette première vidéo, nous allons analyser l'un des éléments essentiels et l'un des plus spectaculaires du rugby de haut niveau, la touche. Pour cette comparaison, commençons par visualiser la touche qui sera analysée. Partons du résultat. Le joueur rouge, de gauche, prend la balle. Il gagne donc le duel à la touche. Nous allons tenter dans cette vidéo de comprendre pourquoi. La touche est à l'initiative du joueur rouge. C'est donc lui qui la déclenche et qui prend son impulsion en premier. C'est ce qui lui permet d'avoir cette avance à l'impulsion et de sauter avant son adversaire comme nous pouvons le voir sur ce plan. Non seulement il est en avance sur son adversaire, mais il est également clairement plus haut. Nous allons essayer de comprendre pourquoi dans cette vidéo. Nous pouvons voir aussi qu'il est beaucoup plus stable que son adversaire, c'est ce qui lui permet d'aller chercher ce ballon. Pour essayer de comprendre ce qui fait qu'il est plus haut et plus stable que son adversaire, nous allons changer de point de vue et analyser cette touche de profil. Commençons par le visualiser à vitesse réelle chez le confirmé, puis chez le débutant. Maintenant, essayons d'analyser à vitesse ralentie les deux sauts. Nous pouvons voir sur cet arrêt sur image que les attitudes des porteurs sont différentes dans les deux groupes. Chez le confirmé, les joueurs ont les jambes pliées, ce qui va leur permettre de prendre une impulsion, et le dos droit, ce qui va leur permettre de restituer au maximum l'énergie de cette impulsion sur le haut du corps. Chez les débutants, le porteur avant a les jambes fléchies, certes, mais son dos n'est pas droit. Son mouvement ne va donc pas être aussi fluide et facile que chez le confirmé. Le lifter arrière chez le débutant, quant à lui, ne semble même pas prêt à porter le sauteur. Cet arrêt sur image est particulièrement parlant. Les flèches permettent de comparer l'alignement des segments dans cette recherche de verticalité. Les confirmés sont droits, tous leurs segments sont alignés, ils sont en verrouillage scapulaire, ce qui va rendre le porté plus facile et va amener de la stabilité au sauteur. Le fait d'avoir les bras tendus et ce verrouillage scapulaire permet également de gagner plusieurs centimètres par rapport au groupe débutant, où nous voyons clairement que les bras sont pliés de même manière que les jambes, ce qui leur fait perdre de la stabilité, de la hauteur et complique le porté. L'équilibre et la stabilité des porteurs vont permettre au sauteur d'être complètement droit et gainé. Il est totalement stable à gauche, comme le montre le trait orange que nous pouvons voir. En comparaison, à droite, nous pouvons voir qu'il est complètement courbé. Le joueur perd donc une nouvelle fois de la hauteur et de la stabilité par rapport à son adversaire. Cette stabilité et ce gainage du sauteur est particulièrement important, puisqu'il va permettre au joueur d'aller chercher le ballon et de ne pas être chahuté par un éventuel adversaire. Maintenant, analysons chaque bloc de façon séparée. Cette vision simultanée de dos et de profil du groupe confirmé permet de voir de nouveaux détails. Tout d'abord, nous pouvons voir que le joueur arrière porte le sauteur juste en dessous du pli fessier. Nous pouvons également voir que même si le joueur est un peu sur l'arrière, il prend la balle devant la ligne verticale passant par son point d'impulsion. Il a donc avancé un moment ou un autre durant le saut. Tentons de comprendre à quel moment il a avancé. Nous pouvons voir sur la fenêtre de droite que lors du porté,
C'est le joueur arrière qui va avancer de 1 ou 2 pas pour venir se coller au porteur avant et gagner un maximum de verticalité. Cette avancée du joueur arrière et cette stabilité du joueur avant vont permettre au sauteur de sauter devant son point d'impulsion. Chez le débutant, l'une des premières choses que nous pouvons remarquer, c'est ce sursaut qu'a le sauteur avant son impulsion. Ce sursaut lui fait perdre du temps, et c'est aussi pour ça qu'il est en retard sur le confirmé lors du saut en touche. Maintenant qu'il est à son point le plus haut, nous voyons également une grande différence avec le groupe précédent. Tout d'abord sur la fenêtre de gauche, nous pouvons voir que la prise n'est absolument pas au même endroit que chez les confirmés. Le joueur prend en haut du short, alors que le joueur confirmé prenait en bas du pli fessier. Ça lui fait perdre une bonne vingtaine de centimètres. Le trait jaune représente l'endroit où le porteur arrière chez les confirmés portait son sauteur. Ici, c'est le bout des flèches oranges qui représente cet endroit. Nous pouvons donc voir qu'il perd énormément de hauteur. Nous pouvons voir également sur l'image de droite que le porteur avant a les bras complètement pliés, quasiment à angle droit. Cela lui complique énormément la tâche car il est beaucoup plus dur de porter un joueur dans cette position qu'avec les bras tendus en verrouillage scapulaire. Il perd également énormément de hauteur. Toutefois, ce n'est pas complètement de sa faute. Car si le porteur arrière prenait le joueur en bas du pli fessier, le sauteur gagnerait de la hauteur et il serait beaucoup plus facile pour le porteur avant de tendre les bras. Ici, nous pouvons voir que contrairement à tout à l'heure, c'est le porteur avant qui va avancer d'un pas pour essayer de se rapprocher du porteur arrière, même s'ils sont moins proches. Cette avancée du porteur avant va avoir pour effet que le sauteur va sauter derrière son point d'impulsion. Il serait donc clairement impossible pour lui, face au sauteur que nous avons vu tout à l'heure, de lui prendre la balle puisqu'il saute derrière lui. En résumé, et en guise de conclusion, une meilleure stabilité due à une meilleure impulsion, un meilleur alignement des segments, des porteurs qui tendent l'un vers l'autre, et des déplacements corrects en avançant, permettent au sauteur confirmé d'être beaucoup plus stable que le débutant. Son gainage et sa dextérité lui permettant d'aller prendre cette balle sans problème face à son adversaire. For the day I die, I'ma touch the sky. Back when they thought pink polos would hurt the rock. Before Cam got the shit to pop, the doors closed. I felt like Bad Boy Street Team, I couldn't work the locks. Now let's go, take them back to the plan. Me and my mama hopped in that U-Haul van. Any pessimists, I ain't talk to them. Plus I ain't had no phone in my apartment. Let's take them back to the club. At least about an hour I stand online. I just wanted to dance. Sosa!